J'ai eu la chance, l'année dernière, de jouer avec M. Georges Descrières de la Comédie Française une pièce classique de Molière, Don Juan. J'avais le rôle de Sganarelle. Et M. Descrières m'a dit, tu vois, maintenant, quand tu fais l'imbécile sur scène ou j'y colle, ce serait peut-être de bon goût de dire une petite chose classique. Aussi, parce qu'il paraît que ça donne de la classe. On dit, tiens, nous ne savions pas que... Alors, si vous le permettez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je veux dire un petit poème de Paul Claudel, intitulé « Oui, oui ». Non. Riez pas, Claudel, ça va enlever toute sa classe. Alors, non. C'est tiré du soulier de satin sur le début du deuxième acte, un poème intitulé « Oui, oui ». Non. Non. Tu ne les reverras plus. C'est un poème. C'est un poème classique. Classique, c'est un drame. C'est le drame d'une femme. Non, non, mais il n'y a pas de quoi applaudir. C'est le drame d'une femme qui a une fuite à sa baignoire. Écoutez, c'est pas la peine d'écrire « Applaudissez », hein. Mais je me disais aussi... Monsieur Pradine, non, vous coupez les, laissez-nous faire entre nous. C'est le rire, ça se... Non, je m'excuse. Alors, c'est donc le problème, le drame d'une femme qui a une fuite à sa baignoire et qui a un perroquet. C'est de Paul Claudel. Et cette dame... Ah non, recommencez pas, non, merde, non. Non, arrête avec le machin, là. On n'est pas ici pour rigoler, s'il vous plaît, hein. Savoir si je vais y arriver. Cette dame qui a un perroquet, qui a une fuite à sa baignoire, qu'est-ce qu'on fait quand on a une fuite à sa baignoire? On téléphone au... plombier. Très bien. Et le plombier lui dit à la dame qui a le perroquet, écoutez, madame, je suis navré, vous me demandez de venir immédiatement. Malheureusement, j'ai beaucoup de travail, je ne peux pas venir tout de suite, mais je viendrai en fin d'après-midi. C'est embêtant, vous vouliez prendre un bain. Eh bien, que voulez-vous que je vous dise, madame, moi j'ai beaucoup de travail en ce moment. Non, non, je ne peux pas venir tout de suite. Non, mais je vous promets que je viens en fin d'après-midi. Pas tout de suite. Non, n'insistez pas, je suis navré. Je présente mes hommages, madame, n'insistez pas. Non, soyez... Merci. Non, madame. Et la dame, qui a le perroquet, se dit, ben, puisqu'il vient en fin d'après-midi, j'ai tout mon temps, je vais faire quelques emplettes. Et la dame sort de son appartement, laissant à l'intérieur de son logis son perroquet. Très bien. Et c'est là où est la subtilité de l'histoire. Jean Rostand, d'ailleurs, en a parlé très longuement avec Jean Nohain, à la Sorbonne, au cours d'un colloque. Ils n'ont jamais pu élucider le mystère suivant, c'est que le plombier, au moment où il... Non, mais je vous demande qu'il y ait une communion entre nous, parce que là, c'est très important. C'est qu'au moment où le plombier raccroche l'appareil, il se dit, mais je suis ridicule. J'ai complètement oublié que je devais passer devant son domicile pour aller faire mes gros travaux que j'ai à faire. Pour boucher un trou de baignoire, il y en a pour une seconde. Je vais y aller directement. Parce que ça, c'est le genre de bonne femme, elle va téléphoner toute la journée. Je vais y aller directement, je rentre chez elle, un coup de chalumeau, je lui prends 10 sacs, pas déclarés, pas ici, la bonne chose. Michel Debré. Hein? Madame Mouchabeuf. Quel étage, Madame Mouchabeuf? Au premier, merci beaucoup. Je vais y aller directement. Allez, tombe. Madame Mouchabeuf, c'est bien ici. Il fera
frappe à la porte. Une voix à l'intérieur fait... C'est le plombier. C'est le plombier. Ça va pas la mémé, hein? C'est le plombier. Un quart d'heure après. Plombier. Oh, soyez chouette, j'ai du boulot, moi. Hein, ouvrez-moi cette porte, j'ai quoi l'air, je suis en paille. Ouvrez-moi la porte, je rentre chez vous, je mets plein de plombs, plein votre baignoire. Je suis un plombier. Un gentil plombier. Il n'y a pas plus gentil que les plombiers. Plombier! Et je suis fier d'être plombier! Qui c'est qui dit que je suis pas plombier ici, hein? Une demi-heure après. Qui c'est? J'entends des voix. Il y en a un qui dit que je suis pas plombier ici. Qui c'est qui dit que je suis pas plombier? Je suis plombier. Une heure après. Qui sait? Je suis plan-plan. La dame qui avait été faire ses emplettes remonte ses escaliers. Elle voit un type complètement écroulé sur son paillasson. Il y a la dame qui fait « Qui c'est ?» Et il y a une voix à l'intérieur qui répond « C'est le plombier !» Bonjour, monsieur le tailleur. C'est moi que je suis venu il y a 2 jours chercher mon costume. Vous vous souvenez de moi? Je m'excuse de vous demander pardon. Seulement, c'est les copains. Ils m'ont dit ton nouveau costume. C'est pas qu'il te va mal, il te va même bien. Au premier abord. Seulement au deuxième abord... En regardant bien, ils m'ont dit, là, il y aurait comme un défaut que ça ne nous étonnerait pas. Entrez dans, mon cher ami. Eh bien, on peut dire que je vous ai fait un beau costume, à vous, hein? Et puis, du beau tissu. Tâtez-moi ça. C'est du nylon éponge. Il pleut, ça absorbe tout. Vous êtes content du tissu? Ça, le tissu, je suis content. J'en saute de joie. Seulement, c'est les copains. Parce que vous savez, ça va vous paraître curieux, vous, mais dans le milieu où je vis, moi, avoir un costume neuf, c'est un événement. Le soir au bar-tabac, il y a tous les copains qui sont là, alors faut offrir l'apéritif, ça s'arrose. Alors les potes, ils sont là, tourne-toi un peu pour voir. Marche un peu pour qu'on se rende compte. Reviens, si tu peux. Alors, ils m'ont dit, dans le dos, tu l'as pas tellement dans le dos. Mais alors devant, alors là, tu l'as dans le dos, quoi.
et la doublure. De la satinette de Maubeuge. Mélangé avec du crêpe de Chine. Et le crêpe de Chine, faut payer le voyage. Dites-moi pourquoi vous n'êtes pas content de la doublure. Mais j'ai jamais dit ça. La doublure, le tissu, tout, je suis content, ça m'en sort. C'est les copains. Ils m'ont dit, là, il y a comme un défaut. Je voulais pas vous le dire, monsieur, au début. Je voulais pas vous vexer, mais vous vous tenez mal. Ce costume que j'ai fait est impeccable. Mais si vous vous tenez mal, forcément qu'il y aura comme un défaut, naïf. Comme Irgoy, comme, bien ici. Regardez-vous devant la glace et tenez-vous droit. Vous êtes un homme, que diable! Relevez l'épaule gauche. Un centième. Attendez, voilà, vous avez chaud. Relevez l'épaule gauche, un centième, un quart de poil. Là, vous voyez, tout de suite, la différence? C'est ma foi vraie. Si je relève l'épaule gauche... Oui, mais alors là... Il y a comme un défaut. C'est parce que vous vous tenez mal. Bougez pas l'épaule gauche. La droite, ramenez-la. Sans bouger la gauche. Ou c'est qu'il y a un défaut là-dedans. C'est ma foi, vrai. Si j'enlève l'épaule. Oui, mais alors le bouton, là, par rapport au nombril... Il pense déjà, lui, aux vacances de Pâques, voyez-vous. C'est parce que vous vous tenez mal. Écoutez, je connais mon métier, monsieur. Il y a 15 ans que je suis au carreau du temple, hein, alors... Relevez la hanche droite, puis bon, commencez par maman. J'ai une tranche comme ça avec vous, hein. Relevez la hanche droite, bougez pas les épaules. Écrasez-vous sur la hanche gauche. Écrasez-vous bien sur la hanche gauche. Il tombe pas bien, ce costume? C'est ma foi, vrai. Hein. Si je me tiens comme ça, tout tombe bien. Ben, je me tiendrai toujours comme ça. Voilà. Je me tiendrai toujours comme ça. Je suis navré de vous avoir dérangé. Mais, vous savez, moi, dans le milieu où je vis, avoir un costume neuf, c'est un événement. Alors, les copains, ils m'ont dit, tiens, tu devras retourner voir ton tailleur. Je suis en train de penser, les gens, quand ils vont me voir passer dans la rue, ils vont dire, celui-là, on peut dire qu'il a la chance d'avoir trouvé un bon tailleur. Réussir un si beau costume sur un gars aussi mal foutu. Plus laquelle que je dois faire maintenant. Ah oui! Non. Papa! Quoi? Là, je voudrais te demander. Les sous-marins atomiques, comment ils peuvent fonctionner sous l'eau? Il paraît que d'un côté, il n'y a pas de moteur diesel, il n'y a pas de moteur électrique. D'autre part, comme a dit Einstein sur la Lune... Fous-moi la paix avec ces salades, hein. Comment ils peuvent fonctionner, dit les sous-marins atomiques sous l'eau, dit papa. C'est étudié pour... Je comprends bien seulement. Tu vois que depuis quelque temps, les Russes ont réussi des choses extraordinaires. Ils ont envoyé un engin qui a réussi à l'unir. Or, je ne pense pas que l'être humain, moi je n'ai que 9 ans et demi, et avec les nouvelles instructions scolaires, je ne sais pas grand-chose, mais je crois savoir que l'être humain ne pourra pas aller dans une autre planète, puisqu'il y a des étoiles qui sont à des milliards d'années-lumière. Or, nous, on a du mal à venir à 80 ans. Comment se fait-il que l'on puisse aller un jour dans une autre planète, malgré qu'Einstein a dit « Plus on va vite, plus le temps est court. » Fous-moi la paix avec Einstein. Je veux pas d'histoire avec les voisins. Mais papa, c'est étudié pour tous ces machins-là.
D'abord, pose-moi des questions sensées. Qu'est-ce que ça veut dire, des machins lunaires? Comment les sous-marins atomiques, j'ai du mal à rouler en vélo, moi. Comment tu veux que je sache comment ça fonctionne? Pose-moi des questions sensées qu'un enfant puisse poser à son père et je te répondrai. Pourquoi que les vaches, elles ont des cornes et puis que les chevaux, ils en ont pas? C'est étudié pour... Papa! Quoi? L'autre matin, à l'école, pendant 3 heures, ils nous ont fait chanter 4 et 3, 9... je confonds avec 7 et 2. 4 et 3, 7! 4 et 3, 7! 4 et 3, 7! Puis l'après-midi, ils nous ont dit que c'était 5 et 2. C'est étudié pour... Papa! Quoi? L'autre jour, il pleuvait. Et en voyant cette pluie qui créait sur le sol quelques petits rues qui allaient grossir des ruisseaux qui eux-mêmes, dans mon imagination, allaient amplifier des fleuves. Et je voyais ces fleuves avec leurs milliards de mètres cubes d'eau qui rentraient constamment dans les océans. Des fleuves comme l'Amazone, le Congo, la nuit et le jour, constamment, des milliards de mètres. Ça t'intrigue pas, ça? Savoir qu'il y a des milliards de mètres cubes d'eau constamment, la nuit et le jour, qui vont amplifier les océans. Pourquoi que les océans, ils finissent pas par déborder? Et les éponges, qu'est-ce que t'en fais? Papa! Écoute, Toto, moi qui suis ta grand-mère, vous, la belle-mère, foutez-moi la paix, hein? C'est mon gosse. Il me pose des questions. Et il a le droit de s'instruire. Mademoiselle l'employée des PTT. Vous êtes derrière votre guichet, là. Oh. Monsieur. Vous dormez? Oui, il n'y a pas que je suis en train de faire mes Toto, non? Qu'est-ce que vous faites? Mes Toto! Si vous faites vos Toto. Mais enfin, dans le bureau de poste, c'est bien à votre guichet qu'il faut s'adresser pour téléphoner. Oh! Hé! Hey. Oh, vous êtes pénible. Qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais téléphoner. À qui? Je voudrais le 22 à Asnières. Vous pouvez pas y aller en vélo, non? Allô? Allô, le central? C'est pas la voix, Zézette? Comment vas-tu, Zézette? Ici, c'est Monique. Qu'est-ce que tu fais au central? On t'a muté? Oh. Ça va? Ça va? Où c'est que t'as été danser samedi? À la salle Wagram? Oh, moi, j'y vais plus. Oh non, c'est trop snob. Et ta sœur? Elle est malade? Ah ben, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Elle a la sécurité sociale. Eh ben, comme ça, elle pourra aller danser toute la semaine. Pourquoi que c'est que tu m'as appelé? C'est moi qui t'ai appelé. Ah, tu crois? Ah, peut-être bien. Qu'est-ce que vous voulez, vous, là, là? Vous, là, qu'est-ce que vous voulez, vous? Je voudrais le 22 à Asnières. Allô? Passe-moi le 22 à Asnières. C'est ça. Tu me rappelles? Au revoir. Je t'embrasse. Embrasse ta sœur aussi pour moi. Au revoir. Vous pensez que ça va être long? Vous ne pouvez pas savoir, forcément, avec tous les fils qu'il y a devant vous. Oh, pardon, monsieur. Oh, please. Mademoiselle, speak English? No. Taylor, for San Francisco for you, 6, 6, 4, 3, 5. San Francisco, X, 6.
J'ai rien compris à ce que vous m'avez dit. San Francisco, 6, 4, 3, 2, X, 5. Allô? Allô? Oui, cabine radio, s'il vous plaît. C'est pour San Francisco. San Francisco, en Pennsylvanie. Je voudrais le 6325X5 à San Francisco. Tu l'as directement par la radio, très bien. San Francisco, cabine 6. Et mon annière. J'étais avec mon vélo, là, puis j'ai crevé en venant. Alors, comme je dois être présenté à ma future belle-mère, alors si jamais j'arrive en retard... C'est ce que c'est, hein? Il l'a fait exprès, tout. Oh! Pardon, monsieur. Bonsoir, moi que m'excuse. Mademoiselle, j'aimerais avoir une fois à Liège, monsieur Van der Broek. Van der Broek. 75, boulevard. Combien que c'est que vous dites? 75. Combien que c'est, ça, 75? Bon, ça est 95 moins 20. Je voudrais avoir une fois Liège, monsieur Van der Broek. Pas Van der Broek, Van der Broek. Mais je me souviens plus du tout de son numéro de téléphone. Moi, je suis pas sous, tu vas te taire un peu, ma femme. C'est pas possible, cette femme qui me suit toujours, là. Moi, je suis pas sous, avec la bière que j'ai bu en France, tu vas te taire un peu, une fois. Je sais qu'il est charcutier. Pensez-vous que ce soit possible d'avoir? On va voir ça. Ça va pas bien ce coup, lui, quoi. Allô? Passez-moi Liège, Belgium. Oui, allô, dites-donc, il me faudra un Vander... Comment il est votre Vander, là? Il est Broek ou Bruck? Il est Broek. Alors, on n'a pas l'adresse, on n'a pas le téléphone, mais on croit savoir qu'il est charcutier. Mais t'as qu'à regarder dans les professions. Ah, t'as déjà... Tu cherches déjà... Tu l'as trouvé, très bien. Liège, cabine 5... Et mon annière. Non, mais dis donc, vous n'êtes pas tout seul ici, non? Commence à être un peu long, non? Eh, pardon, excusez-moi. Fräulein, bitte. Sprechen Sie Deutsch? Nicht viel. Für Berlin. Karl von Straßen 2 Alexanderplatz. Telefon 24, bitte. Eh ben, lui, au moins, il sait ce qu'il veut. Allô, passez-moi Berlin. Allô, Berlin. Ja. Hier, Grosse Paris. Ja, bitte. Telefon 4 und... Comment vous l'appelez, mon gars? Karl von Straßen. Telefon 24. Écoute dans ce que je te dis, si tu parles toujours. 24. Comme 2 fois 12. Ja. Ja. Oui, très bien. Merci. Très bien. Berlin, cabine 5. Was? Berlin, cabine 5. Dankeschön. Bitte schön. Auf Wiedersehen. Et mon agneau. Vous ne pourriez pas me passer New York? Faudrait savoir ce que vous voulez, non? Je veux New York. C'est mon droit, non? Si vous voulez New York, je vous donne New York. On vous ben, vous de la Chine, m'en fous, moi, allô. Allô, passez-moi New York. Non, non, New York, tout simplement. New York. New York. Très bien, merci, thank you. New York, cabine 1. Allô? Allô, New York? Vous pourriez pas me passer le 22 à Agnières? Thank you.
Garçon, s'il vous plaît, je voudrais un café crème avec deux croissants. Je m'excuse, monsieur, nous n'avons plus du tout de croissants. Ah. Oh, ben, ça fait rien, alors je vais prendre autre chose. Ça fait rien, on a tellement d'ennuis entre nous, hein. Chacun dans sa vie privée, on n'a que des soucis, alors on va pas s'en faire entre nous. Vous avez qu'à me donner un café nature, alors. Café nature, avec deux croissants. Mais monsieur, je m'excuse, je me suis peut-être mal exprimé. Je vous dis que les croissants, nous n'en avons plus. On n'a plus du tout de croissants. Ah. Ah, voilà. Là, ça change tout. Si on n'a plus, je ne peux pas en avoir. Forcément, ben, ça ne fait rien, je vais prendre d'autres choses. Alors, je ne peux pas avoir n'importe quoi. Du lait. Vous avez du lait? Eh bien, donnez-moi dans une tasse de lait. Avec deux croissants. Ça va pas, vous êtes un peu fatigué, ou non? Je vous dis que les croissants, nous n'en avons plus. C'est ce que c'est que les croissants? Les croissants, c'est fini. Des bretzels, des brioches, oui, les croissants, non! Faut pas vous énerver pour ça. Mais ça fait rien. Écoutez, je suis pas le client embêtant, je vais vous dire, donnez-moi ce que vous voulez. Je peux pas mieux vous dire. Du thé, du chocolat, vous avez du chocolat au lait? Même petit tas de chocolat au lait, là. Avec deux croissants. Dites donc, vous en avez pour longtemps embêté ce garçon? Je vous connais pas, vous. Moi, je suis client, monsieur. Je suis comme vous. J'étais derrière la colonne. Vous m'avez peut-être pas vu, mais moi, je vous ai entendu. Vous êtes pas malade, non? Qu'est-ce qui vous prend d'embêter ce garçon? Taisez-vous! Laissez-moi vous dire, monsieur, que vous avez de la chance d'avoir affaire à un garçon qui a de la patience. Parce que moi, garçon, si j'avais été à votre place, il y a longtemps que j'aurais pris les deux croissants, je les aurais foutus sur la gueule.